passionné, une différence entre la nomination de Gabriel Attal, au début, il y a 6 mois avant celle de Barnier, c'est que la nomination de Gabriel Attal se fait sur la base des élections de 2022, en fait. Il y a eu une majorité, voilà, elle est sortie, relative, elle est sortie, et Macron a choisi, dans la foulée, Elisabeth Borne, puis Gabriel Attal. Mais à partir du moment où il y a la dissolution, les règles du jeu ne sont plus tous les mêmes. Sont celles de la 4ème République, si on veut. Parce que les adversaires de Macron disent « Oui, mais quelle est la pratique à l'extérieur, à l'étranger ?» Oui, mais il y a aussi la pratique dans l'histoire de la 5ème République et de la 4ème République. Le rôle du président, quel rôle du président ? Et le rôle du président, c'est d'être un arbitre. C'est d'être un arbitre qui s'assure du bon fonctionnement du système. Alors, la dissolution conduit à renforcer, à changer les règles du jeu. Le président de la République doit choisir un Premier ministre qui va trouver une majorité au sein de l'Assemblée nationale, par-delà les clivages déterminés par les élections. C'est pour ça que d'ailleurs que les élections à la proportionnelle ne peuvent que multiplier les clivages. Donc dans ce cas-là, multiplier le rôle, accroître le rôle du président. Au cas où on l'aurait oublié. Donc, Barnier, il est l'expression de ce nouvel ordre des choses qui n'a pas tellement existé jusqu'à présent, on le sait quand même en public, puisque soit le président choisissait quelqu'un de son camp, soit on lui imposait, d'après les élections, un camp qui avait gagné la majorité absolue. Ce qui s'est passé en 86, 93, 97. Et là, c'est différent. Il n'y a pas de majorité absolue en face de lui. Lui-même n'a pas de majorité absolue. Donc, il faut qu'il choisisse une personne qui soit capable de se constituer autour de lui une majorité absolue. La majorité absolue, ce qui veut dire à la fois des gens qui rentrent dans le gouvernement, des gens qui sont un soutien sans participation, etc., etc. Toutes les nuances sont possibles, y compris l'histoire de l'article 49.3. Donc, voilà, donc le Michel Barnier, il est la continuité d'une tradition républicaine de la 3e, 4e République, et qui existe également en Italie, en Allemagne ou ailleurs. Qu'on ne vienne pas nous quereller là-dessus.